Coucou à tous. Alors, je vous fais une petite vidéo pour vous montrer ma toute première pocket letter. Et celle-ci part au Portugal pour Kat. Alors, je lui ai déjà fait un petit mot, une petite carte. Hein. J'ai marqué j'étais partie pour faire un 3000 ou un 6000 pièces. Hihi. Et oui, je lui ai fait une petite carte. Ce sont des petits morceaux de puzzle. Ce sera à elle de les rassembler. Voilà. Et puis derrière, il y a mon petit mot. Donc, elle aura ce que j'ai écrit quand elle aura assemblé le petit puzzle. C'est vrai que je voulais faire beaucoup plus de pièces, mais bon, je ne vais quand même pas abuser. Alors, et voilà ma première pocket letter, la toute première. Alors là, voilà. Donc, je ne sais pas si vous la voyez bien, je vais peut-être la mettre comme ça. Je sais que Kat aime Paris. Donc, j'ai fait fashion, boutique, Paris. Je ne savais pas trop comment m'y prendre. J'ai voulu faire quand même une photo au centre, donc que j'ai colorié, tout a été découpé en fait après. J'ai vraiment mis une page entière et que j'ai customisé et j'en ai fait. Et c'est seulement après que j'ai coupé mes petits rectangles, mes ATC pour mettre dedans. Alors, sur le premier ATC, bon, j'ai mis des petites fleurs comme ça pour que ça s'échappe pas au-dessus. Hein. Donc, sur le premier ATC, on a donc une petite vitrine. Hein. Donc, on voit la continuité sur le reste hein, de cette petite vitrine. Donc, un chapeau que j'ai mis sur du 3D. Alors, la vitrine, ben, elle est découpée. J'ai mis un fond en dentelle. Voilà, là il y a des petits sacs, un petit flacon, un bijou, une petite pochette. Et là il y a donc des chaussures. Voilà, ça fait comme une petite vitrine. Là j'ai mis donc du washi, des petits guidi-guidi en dentelle, en pompons, en petit ruban de perles et en niveau encore, oh là là, de dentelle en dessous. Si on va plus bas, là, j'ai fait un petit cintre avec un trombone. Et donc, j'ai mis une petite robe avec des petits strass. Et puis, j'ai mis le col avec de la feutrine. Hein, pour que ça fasse un petit col Claudine avec de la feutrine. On repart au-dessus. Là, j'ai mis une arabesque d'ascousse qui se prolonge donc de l'autre côté avec des strass. Donc, et là, donc, le grand mot que j'ai mis. Hein. En dessous, donc, ben, vous le connaissez, c'est la petite découpe des derniers dies qu'il y avait sur Action. Hein, voilà, donc j'ai garni son chapeau. Je suis restée dans quelque chose d'assez simple. Ici, j'ai donc découpé une petite coiffeuse. Voilà là, les mots. Une petite coiffeuse, son petit tabouret que j'ai embelli. J'ai mis un petit papier. Un peu parcheminé en dessous, j'ai mis le visage d'une femme, comme si quelqu'un se regardait dans le miroir. Et j'ai mis du glossy accent pour que ça brille un petit peu sur le visage, sur les cheveux. Quelques petites strass autour aussi, avec le petit tabouret. Donc on voit que la fin des pieds du tabouret et puis de la petite coiffeuse sont là. Hein, voilà, elle a été coupée. Ben, pour rappeler Paris, la tour Eiffel. Avec quelques fleurs où j'ai mis aussi du glossy accent pour me faire un peu de relief. Et puis ici, ben, des escarpins avec une petite perle, voilà, un peu aussi de glossy accent. Et puis sur mousse 3D pour surélever un petit peu. Voilà. De l'autre côté, ben, ma foi, j'ai mis des petits cadeaux, quoi. Hein, voilà, des puffies. Là, c'est une petite branche d'arbre avec un hibou. Là, c'est du ruban. Là, c'est des petites strass en fleurs et des ronds. Du washi. Là, c'est un petit carnet de 15 stickers. Ici, ce sont des fleurs. Là, ce sont des petits boutons en forme de chat, de théière, de chien, de maison. De téléphone, enfin j'en passe. Et là, ce sont donc les dernières découpes avec les derniers dies que j'ai pu avoir de chez Action. Voilà, donc ma pocket letter est prête, enfin, depuis le temps. Donc il n'y a plus qu'à la mettre sous enveloppe,
Et puis en souhaitant que Kat la reçoive le mieux possible, hein, mieux que mon colis la dernière fois. Hein. Et puis voilà. Donc voilà. Mon chef-d'œuvre en péril. Non. C'est la première. Hein. Donc c'est la première. J'avais beaucoup de thèmes, j'avais beaucoup d'idées. J'en avais tellement que tout se mélangeait ensemble. Donc j'ai fait plein d'essais. Ça. J'arrivais pas, ça me plaisait pas. Donc là, ça va. Ça va, ça vient. Non, c'est. Ouais, bon, ben voilà, quoi. Hein, c'est la première, quoi. Hein. Bon, après, c'est vrai qu'il y a quand même eu du travail dessus. Voilà, la petite vitrine à découper avec toutes. Parce qu'au-dessus, tout est. C'est toute la petite. Voilà, c'est toutes des petites découpes avec des petits strass que j'ai rajoutés. C'est beaucoup de coloriage, c'est beaucoup de petites fantaisies, c'est. Voilà, il y a quand même. Oui, il y a quand même un petit peu de travail. Hein. Voilà. Et puis un petit peu d'idées aussi en même temps. Voilà. Alors. Et bien voilà, je pars à la poste sur ce. Avec ma petite enveloppe, où je vais encore mettre un petit washi derrière pour fermer. Mon petit puzzle qu'elle aura à reconstruire. 4 pièces, je suis gentille. Hein. C'est vrai que moi j'adore faire les puzzles. Et. J'aurais pu lui faire au moins à 50 pièces. Hein. Mais bon, je ne vais pas l'embêter, la pauvre. Voilà. Donc, quand je vous montrerai cette vidéo, ben, je pense qu'elle aura reçu et puis qu'elle en sera contente. Elle a souvent eu mes premières créations. Alors, je ne sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien parce que je pense qu'au fil du temps, je m'améliore quand même. Bon, ben, on va dire que c'est un petit peu mon banc d'essai, Kat. Tu es un petit peu, oui, en effet, mon. Voilà, mes prototypes sont pour toi. Allez, je vous laisse sur ce. Bonne création à tous. Profitez bien de la vie. Hein, voilà. Et puis, à très bientôt. Hein, à très, très bientôt. J'ai eu plein de jolis commentaires sur ma dernière vidéo. Enfin. D'ici là, vous en aurez peut-être encore une autre. Donc, bref, merci pour tout. Merci pour tout ce que vous êtes, tout ce que vous donnez, tout ce que vous. Tout le partage de tous et de tout le monde. Et puis, à très bientôt, je vous dis. Voilà. Allez, encore un petit coup d'œil sur cette pocket. Cette petite pocket letter qui part. Qui va s'en aller au Portugal. Allez. Ma petite pocket letter. Ciao, à bientôt.